Il fait très beau en République démocratique du Congo. Visitez la RDC, visitez DRC. Bonjour, bienvenue dans votre magazine à l'École du Savoir, toujours avec Wilson Ngoa. Aujourd'hui, nous aborderons une leçon de géographie. Nous parlerons du climat. Les climats. Qu'est-ce que le climat? Le climat correspond aux conditions météorologiques bien précises dans une région du monde durant une très longue période. C'est ce qu'on appelle le climat. Alors, c'est quoi ces conditions météorologiques qui vont influencer ou qui influencent un climat? Nous avons premièrement ce que nous appelons la température. Deuxièmement, nous avons les précipitations. Après, nous avons l'ensoleillement, la vitesse des vents et puis l'humidité. Ce sont tous ces facteurs ou toutes ces conditions qui vont influencer sur un climat ou sur le climat. Donc, retenez que le climat, ce sont toutes ces conditions météorologiques moyennes dans une région du monde bien précise et sur une période qui est tellement longue. C'est ce qu'on appelle le climat. La température, comme étant la première condition météorologique qui influence un climat, c'est quoi? C'est les degrés soit de chaleur ou de froideur d'un environnement ou dans une région bien donnée, bien précise. Après, nous avons les précipitations. Quand on parle de précipitations, je donne directement des exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a la pluie, la neige, la grêle, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des précipitations. Ce sont également un facteur, une condition météorologique ou si cela est observé sur une période très longue. Quand on fait la moyenne, ça peut déterminer le climat d'une région ou d'une zone bien précise sur la Terre ou dans le monde. Après, nous avons l'ensoleillement. L'ensoleillement, c'est quoi? C'est la proportion du temps pendant lequel le soleil illumine une certaine région pendant un temps donné, sur une durée bien déterminée, bien précise. C'est ce que nous appelons l'ensoleillement. Après, nous avons ce qu'on appelle la vitesse des vents. Retenez que la circulation atmosphérique globale influence largement, totalement, le climat de la planète. Cela varie d'une région à une autre. Et enfin, nous avons cité ici l'humidité. Quand on parle de l'humidité, nous remarquons l'humidité absolue et l'humidité relative. C'est-à-dire la masse de l'air sur le volume de l'air et la pression sur la pression saturante. Cette humidité influence aussi, c'est l'une des conditions météorologiques qui influence largement le climat. Bien des fois, les gens confondent ces deux notions quand on parle du climat et quand on parle de la météorologie ou la météo. Maintenant, nous allons distinguer ou différencier pour que cela puisse vous aider la différence qui existe entre le climat et la météo. Le climat, c'est quoi? Nous l'avons déjà défini. C'est l'ensemble de ces conditions météorologiques moyennes sur une zone bien précise et sur une longue période. Mais la météo, c'est quoi? La météo, c'est le temps qu'il fait à un instant donné. Tandis que le climat, c'est le temps qu'il fait sur une longue période. C'est ça la grande différence entre le climat et la météo. Maintenant, nous passerons aux zones climatiques et on va expliquer pourquoi il y a des zones climatiques et qu'est-ce qu'une zone climatique. Donc, trois. Nous allons expliquer ce que nous entendons par zone climatique. Trois, les zones climatiques. Sur toute la planète Terre, le climat n'est pas uniforme, n'est pas le même partout. C'est-à-dire dans toutes les régions du monde, il y a des climats différents d'une région à une autre. Et les géographes, les scientifiques, pour bien décrire cette notion
ou ces concepts, ils ont introduit la notion des zones climatiques. Alors, c'est quoi une zone climatique? On parle des zones climatiques, c'est un regroupement ou un groupe de régions qui ont un climat similaire. Donc, une région du monde où on retrouve un certain nombre de climats qui sont similaires. C'est là qu'on parle des zones climatiques. Il y a des facteurs aussi qui vont influencer les zones climatiques. Il y a, premièrement, des facteurs qui influencent les zones climatiques. Nous avons, premièrement, la circulation atmosphérique globale. La circulation atmosphérique globale. Nous avons la latitude. Nous avons l'altitude. Nous avons les océans. Nous avons les végétations. On peut aussi ajouter les reliefs. Donc, toutes ces zones, toutes ces régions du monde où le climat diffère d'une région à une autre, caractérisées par ce que nous appelons les zones climatiques, il y a des facteurs qui font en sorte que ces régions aient un climat différent des autres régions. Le premier facteur que nous avions cité, c'est la circulation atmosphérique globale. C'est-à-dire les vents ne circulent pas de la même façon dans toutes les régions du monde. Cela diffère d'autres facteurs, notamment la latitude. La latitude, c'est quoi? C'est très simple. Sur le globe, si on peut les dessiner ici, on fait une petite image de notre globe terrestre, la planète Terre. Au milieu, il y a une ligne qui sépare les globes en deux hémisphères. Cette ligne-là est appelée l'équateur. Nous avons ici l'équateur. La ligne de l'équateur qui sépare les globes en deux hémisphères, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Maintenant, qu'entendez-vous par latitude? La latitude, c'est, pour expliquer ça de la manière la plus simple que possible, c'est la distance d'un point par rapport à la ligne de l'équateur. La distance d'une région donnée ou d'une zone donnée par rapport à la ligne de l'équateur. Par exemple, nous sommes ici, on a aussi des tropiques. Il y a par exemple une région qui se trouve ici. La distance séparant ces points ici, qu'on appelle les points A, par rapport à notre ligne de l'équateur, c'est ce qu'on appelle la latitude. Ici, c'est la latitude nord. On peut avoir un autre point. On met par exemple ici les points B. La distance séparant le point B par rapport à la ligne d'équateur, c'est ce qu'on appelle la latitude. Ici, c'est la latitude sud, parce que nous sommes dans l'hémisphère sud. Ici, c'était nord. Donc, ce sont aussi des facteurs qui vont influencer sur le climat d'une zone. La latitude, et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle l'altitude. L'altitude, c'est quoi? L'altitude, c'est un point, la distance d'un point par rapport au niveau de la mer. Nous savons que le niveau de la mer, c'est les points zéro. Quatrièmement, nous avons les océans. Les océans aussi influent largement sur les climats d'une zone ou d'une région. Une région qui se trouve près des océans a un climat différent d'une région qui est à l'intérieur d'un continent. Cinquièmement, nous avons les végétations. Une zone qui est couverte de végétation peut également influencer un certain type de climat. Enfin, on a ce qu'on appelle les reliefs. Donc, retenez que la zone climatique, c'est quoi? La zone climatique, ça regroupe une région du globe, de la Terre, qui a des climats similaires. C'est ce qu'on appelle zone climatique.
Et pourquoi il y a ces variations? Parce qu'il y a des facteurs qui vont notamment influencer ces variations. Nous avons la circulation atmosphérique globale, nous avons la latitude, nous avons l'altitude, nous avons les océans, nous avons les végétations et enfin les reliefs. Maintenant, nous allons voir les différents types des zones climatiques qui existent dans notre planète, la Terre. Donc, les types des zones climatiques. Quatre types. Les zones climatiques. Nous avons premièrement la zone tropicale. Nous avons la zone tropicale. Après, nous avons ce qu'on appelle les zones subtropicales. Les zones subtropicales. Après, nous avons ce qu'on appelle les zones tempérées. Les zones tempérées. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les zones polaires. Les zones polaires. On redessine encore notre globe terrestre. Nous avons notre ligne de l'équateur. Nous avons les tropiques. Et nous avons les pôles. Ça, c'est l'équateur. Et nous avons les tropiques. Ça, c'est les pôles. Pour que vous puissiez bien comprendre, la zone tropicale, ça se trouve où? La zone tropicale, c'est la zone inter-équatoriale. Ça se trouve au niveau de l'équateur et avant les tropiques. C'est la zone qui se situe justement ici, dans cette fourchette ici, où se trouve notamment notre pays, la République démocratique du Congo. C'est une zone qui est chaude et humide. C'est ça la caractéristique de la zone tropicale, donc de notre première zone climatique qui existe sur la Terre, dans le globe terrestre. Donc la zone tropicale, comme caractéristique, c'est une zone qui est chaude et humide. Nous avions dit que dans chaque zone, on retrouve un ensemble de climats qui sont similaires. Dans la zone tropicale, tous les climats que nous allons retrouver dans cette zone ici, la caractéristique principale, ce sont des climats qui sont chauds et humides. Et après, nous avons des zones subtropicales. Les zones subtropicales, ce sont des zones qui se trouvent au niveau des tropiques, juste en dessous des tropiques. Remarquez ici, on a parlé de la zone au singulier tropicale, parce qu'il n'y a qu'une seule zone tropicale. Mais pour les tropiques, nous avons des tropiques. Tropique du Cancer et tropique du Capricorne. C'est pourquoi on a parlé des zones au pluriel, les zones tropicales. Caractéristique de la zone tropicale, elle est chaude et aride. Donc c'est un peu sec comme climat. Donc zone subtropicale, ce sont des zones chaudes et arides. C'est ici.
à côté des tropiques ici, tropique du Cancer et les tropiques du Capricorne. Et après, nous avons les zones tempérées. Les zones tempérées, ce sont des zones qui se trouvent entre, avant d'atteindre le pôle, après les zones subtropicales et avant d'atteindre le pôle. Nous avons deux zones tempérées au niveau de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord. Ici, tempérées et les zones tempérées ici. Et enfin, nous avons des zones polaires. Il y a les pôles nord, au nord là-bas, et les pôles sud. Les zones polaires sont caractérisées par un climat qui est très froid. Ce sont des zones très froides. Donc, c'est ça, les quatre zones climatiques que nous avons distinguées. 1, la zone tropicale. 2, les zones subtropicales. 3, les zones tempérées. Et 4, les zones polaires. Donc, notez très bien que la variation de ces zones dépend principalement de la circulation atmosphérique globale. Ça dépend aussi de la distance des régions ou des points par rapport à l'équateur, ce que nous avons appelé la latitude, qui aura pour conséquence également la variation des températures et des précipitations. C'est ça les zones climatiques. Et on ne peut pas terminer sans pour autant donner un bref aperçu sur le climat de notre pays, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a un climat équatorial, un climat tropical humide et sec, un climat d'altitude et un climat littoral. On retrouve le climat équatorial, premièrement, pour commencer par là, au nord, là où traverse la ligne de l'équateur. Et il y a le climat humide qui est un peu au centre et le climat tropical sec qui est au sud-est. Et à l'est, on a le climat d'altitude où on retrouve les régions montagneuses. Climat d'altitude, ça, on peut aussi appeler ça climat des montagnes. Et sur la côte, vers l'océan, on a le climat littoral. C'est ça le climat de la République démocratique du Congo. Nous l'avions dit, il faut aimer apprendre. Aimer les savoirs, car les savoirs donnent un pouvoir. Il fait très beau en République démocratique du Congo. Visitez la RDC, visite l'IRC. Pour vos questions, suggestions et pour tous vos soutiens, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Merci, au prochain numéro, toujours avec Wilson Goua. Ciao.